Eh bien salut à toutes et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars? Moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la carrière manager avec le Borussia Mönchengladbach. Avant de commencer, je tenais à vous remercier, vous avez été quand même très nombreux à regarder l'épisode 1, il y a eu beaucoup de likes, vous avez été aussi très nombreux à venir interagir dans l'espace commentaire en me donnant des idées pour les transferts. Et ça j'en ai besoin, parce que sans idées, c'est vous qui me donnez aussi ces idées, parce que sinon je me fais une carrière en solo, hein, et je publie rien sur YouTube, et vous, vous venez donner des idées, et vous avez été très 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 bons, j'ai trouvé très 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 bons certains, parce qu'ils ont, la plupart d'entre vous ont bien compris la ligne directive de cette carrière, l'idée de transfert qu'on a envie de se faire, et franchement ça m'a fait énormément plaisir. Avant de commencer tout ce qui est mercato et parler un petit peu, je pense que ce qui vous intéresse, du le titre, hein, aujourd'hui on parle clairement du mercato, on s'était laissé avec un match nul contre Arsenal, hein. Match nul contre Arsenal, j'ai joué les deux autres matchs, j'ai fait deux fois match nul également, pour vous dire j'ai gagné 3-1 contre Porto, genre ils reviennent à 3-3, bon, je me suis dit ça peut arriver. Je gagnais 2-0 contre la Real Sociedad et ils reviennent à 2-2. Je me suis dit, bon, j'ai quand même un petit souci défensif là. Il y a quand même quelque chose qui ne joue pas. Alors, on a un match, une demi-finale contre Naples qu'on va jouer. Ce sera le seul match de cette vidéo. Ou alors, peut-être que je vous en ferai deux. Mais ce sera peut-être un très très long épisode dû au fait qu'il y a le mercato, bien sûr. Dans le traitement des commentaires, il y a un point que j'ai beaucoup remarqué. C'est que beaucoup d'entre vous m'ont dit, Micro ne vend pas Monsieur Lars Schindel. Alors, Lars Schindel... qui est là, hein, qui est actuellement normalement notre capitaine, ne le vend pas. J'ai envie de vous dire que Lars Schindel, c'était pour moi une manière de me faire un petit peu plus d'argent. Voilà. Après, c'est une saison, c'est un joueur qui est quand même confirmé, et avec un peu plus de recul et de réflexion, je me dis que Lars Schindel, on peut en avoir besoin offensivement. Voilà, on peut en avoir besoin offensivement, donc je vais vous écouter. Je ne vais pas vendre Lars Schindel, mais devant vous, je vais par contre lui demander d'apprendre un poste qui pour moi sera très important. C'est un joueur qui a 59 de vitesse, donc c'est extrêmement lent, et je le vois clairement comme un joueur de pivot. Donc, on va aller dans développement, et je vais simplement lui demander d'apprendre le poste de buteur, poste de buteur qu'il n'a pas malheureusement, donc... Là, il est en tant que milieu offensif, ce que je trouve un petit peu dommage parce que je trouve plutôt un profil de buteur. On aurait pu le mettre à avant-centre comme un Mbolo ou comme un Marcus Thuram, mais le fait qu'il n'ait pas de vitesse, je trouve pas très intéressant. Je le vois vraiment comme un pur buteur. Donc, on le met comme buteur. Oh, bah ça va lui prendre quand même extrêmement longtemps pour apprendre le poste. Et puis, si je le mets attaquant, 5 semaines attaquant. Bon, on va plutôt le mettre alors attaquant. Je crois que j'ai de toute façon Mbolo qui peut jouer en buteur. De manière à ce que voilà, les joueurs apprennent un petit peu leur poste. Ça, c'est la première chose. Hein. C'était vraiment le commentaire très très important qui a été relevé au niveau de la tactique. Et puis, si on s'attarde un tout petit peu sur la liste des transferts, c'est ce qui va vous intéresser. Je vais vous la présenter, à savoir que cette liste-là, c'est 100% de vos idées. Je n'ai pas... ou il y a peut-être une idée, vous verrez, il y a une idée. La première, c'est Djibril Sidibé qui m'a été proposé. C'est vrai que je cherchais du monde défensivement. C'est assez intéressant, hein, le français qui joue toujours à Monaco. Sylvain Widmer, que j'ai déjà essayé sur FIFA 21, puisque je l'avais pris avec la carrière, avec l'AS Saint-Etienne dans le Mercato Parfait. Je vous invite d'ailleurs à aller le voir. Je sais que c'est un joueur qui est très très bon, mais ça a une valeur environ de 10 millions à voir. C'est un joueur confirmé... Il a la capacité aussi d'apprendre le poste de milieu droite. Voilà, c'est une option. Une option qui est plutôt à vocation défensive, mais ah, pourquoi pas. On a Pape Abou Cissé, que je connais pas très bien, défenseur central, qui joue à l'Olympiakos, le Sénégalais. A voir, j'ai pas encore, hein, vous voyez les notes. On a du Piper, ça m'a fait assez plaisir parce que je l'ai pas essayé, le petit gars de Bielefeld, qui joue en Bundesliga, donc ça reste assez dans le projet. On avait Issa Diop, qui s'est un peu perdu du côté de West Ham. Je sais pas s'il joue énormément. Moi, j'ai surtout connu, si je dis pas de bêtises, quand il jouait à Toulouse. Il était très très bon. Donc voilà. On a Martinez Carta, qui est un sud-américain. Nunes, si je dis pas de bêtises, ça doit être l'Independence. Si je dis pas de bêtises, c'est un club qui est pas modélisé. Je crois que c'est ça, hein, mais peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Dites-moi dans les commentaires qui m'a été proposé. Un joueur qui me plaît énormément, je pense que lui, je vais aller le chercher, c'est Rick Van Drongelen. Pour la petite histoire, c'est un joueur qui joue depuis 3 saisons du côté de Hambourg, qui a vraiment un bon potentiel, qui monte à 81, qui est très solide. Et qui n'arrive toujours pas à faire une promotion en Bundesliga 1 avec cette équipe de Hambourg. Donc pourquoi pas sauter le pas et passer dans un club plus confirmé. On a du Kummert, le défenseur de l'équipe de Suisse qui est très puissant. 22 ans que j'ai pas encore essayé, pourquoi pas, et ça rentrerait dans l'idée.
Ismail Assar, alors je l'ai mis parce qu'on me l'a proposé, mais avec réflexion, je ne vais pas le prendre parce que je le vois plus dans la carrière avec Rennes. La suite sera dans la semaine prochaine, hein, au l'heure où je vous parle, on est dimanche, vous voyez l'épisode dimanche, la semaine prochaine ce sera mardi, vous aurez la carrière avec Rennes, et très clairement je pense aller chercher Ismail Assar, mais ça c'est une autre musique d'avenir. Melando qui m'a été proposé, l'espagnol, pourquoi pas, hein, voilà, on avait dit, on se refusait pas d'aller recruter peut-être des joueurs autre que français, allemand et suisse. Melando, pourquoi pas, en milieu droite, hein, c'était intéressant. Marco Richter, c'est mon petit ajout, mais un ajout qui est réaliste, puisque Marco joue depuis quelques saisons à Augsbourg. Alors, je suis pas très fan de récupérer des joueurs que j'ai déjà essayé dans les carrières des années précédentes, mais bon, voilà. Marco Richter, surtout qu'il peut jouer à droite, il peut jouer attaquant droite, il a vraiment une polyvalence qui est très très intéressante, Marco Richter. Ça me ferait plaisir, mais à voir. Au milieu de terrain, Maximilian Engelstein, ça m'a été proposé. On va pas se le cacher, on connaît le bonhomme, c'est un monstre physiquement, mais je pense que ça va être très très cher. On a le petit Kina qui m'a été proposé aussi de Watford, qui doit avoir un bon potentiel, je me réjouis de voir la note. Alors là, désolé pour la prononciation, mais alors, Salzbolzei, le Hongrois, qui joue du côté du Red Bull Salzbourg. Alors, c'est un joueur qui est très intéressant, qui pourrait jouer sur le côté gauche. Pourquoi pas, merci en tout cas de l'ajout. Le petit Diata du club de Bruges qui m'a été également proposé attaquant droite. Monsieur Cabral, alors Cabral c'est clairement un joueur que je connais bien puisqu'il évolue dans le championnat suisse. C'est plutôt un joueur que je vois en pivot, hein, vraiment comme buteur. Il a des stats intéressantes, je ne suis pas quelqu'un qui joue beaucoup avec la technique, mais il a quand même les 4 étoiles de mauvais pied. A savoir que ce garçon avait 2 étoiles de jeu technique et 2 étoiles de mauvais pied sur FIFA 20. Donc il a bien été up à 22 ans, le Brésilien, ça pourrait être une belle alternative. Et le dernier, c'est Nicolas Gonzalez, le garçon, le buteur de Stuttgart, qui a aussi cette capacité de jouer autant buteur, autant à droite, autant à gauche sur tout le front de l'attaque. Donc il a vraiment aussi cette polyvalence que j'aime rechercher chez les joueurs. Donc voilà pour ce qui est de notre liste des transferts. Je vous remercie. Vous avez été plus d'une quarantaine, si je dis pas de bêtises, à commenter. Alors je n'ai pas encore les rapports. On va avancer un petit peu. Je pense qu'on va peut-être jouer le match contre Naples. Après on jouera, s'il y a une finale, la finale. Et après ce sera clairement le Mercato Time. Au niveau de l'équipe, donc on va affronter cette équipe de Naples, pour une demi-finale, j'espère quand même aller la gagner. Je vais jouer avec, peut-être qu'on va tenter, de jouer un peu plus défensif, puisque là, ça fait 2 matchs que je joue à 3 derrière et que je me prends à chaque fois je me fais à chaque fois revenir au score. Donc, je vais jouer plus défensif. On va mettre Kramer, on va mettre Monsieur Hoffman, qui avait fait une bonne perf d'ailleurs contre Porto. J'ai envie de mettre, on va mettre Monsieur Larchtindel, ma foi, qui sera titulaire. Mais voyez, hein, Larchtindel, je trouve ça complètement bête de l'avoir mis milieu offensif. Franchement, ça, je trouve ça complètement bête. Et puis, si je mets ici. Et Hoffman, faut vraiment que j'arrive à façonner cette équipe et à vraiment leur laisser des instructions fixes. Traoré, est-ce qu'il est capable de jouer à la place de Lazaro? Il est capable de jouer à Lazaro, c'est ce qui me semblait. Et puis après, au niveau de l'équipe, on a peut-être du Oscar Venn qui peut venir intégrer l'équipe à la place de Benzebaini. On va mettre Monsieur Janschke pour avoir un petit peu de fraîcheur défensivement. J'ai Lang qui va pouvoir peut-être venir à... On va peut-être mettre Lang défenseur central, ouais, clairement. Défenseur central ou Liner défenseur central. Mais Liner c'est très rapide et j'aime bien Liner sur le côté, donc je vais le laisser là. Benes qui sera donc titulaire. Voilà, et puis devant, bon, on a juste Thuram qui va enchaîner un petit peu, mais ma foi, j'ai pas trop d'autres alternatives. Si je regarde un tout petit peu, j'ai pas envie de faire jouer un tout jeune qui va pas me donner satisfaction. Donc on va jouer comme ceci, ma foi. Je vais prendre encore avec moi Monsieur Bennett. Et on va comme ceci. On va comme ceci avec cette équipe. Je pense clairement qu'on a moyen de se qualifier. En tout cas, il y a une jolie équipe sur le papier. L'équipe de Porto, bah, c'est très bien. On peut vous la présenter avant les matchs. Ça, c'est cool. Avec du Meret, du Mario Ruiz, du Ramani, Koulibaly, Di Lorenzo, Lagboka, Demé, Sissireti, Unas, Berg et puis Youn. Franchement, ils ont une équipe, ils ont aussi fait tourner, donc il y aura une très très belle équipe avec ces deux compositions. On va donc se retrouver tout de suite
pour les meilleurs moments du match. J'espère que ça vous fait plaisir, petit épisode du dimanche. Voilà, j'espère que vous êtes chaud. Si vous l'êtes, je vous invite à liker, commenter, partager et à vous abonner. On a passé une barre qui est quand même très très importante pour moi. On a passé les 1700 abonnés. Là, on est plus que parti pour le road to 2K. Merci beaucoup. C'est parti pour les meilleurs moments de ce match. Allez, la balle sur Traoré. La première possibilité. J'ai demandé aux ailiers de coller la ligne. Ce qui est assez efficace pour le moment dans ce FIFA quand on leur demande ça. Surtout si vous aimez jouer sur des... sur une base de centre, c'est beaucoup ce que j'aime faire. Oh non, il va passer, non, il passe pas. Il passe pas, très bon retour de la part de Janschke. Donc ouais, on va avoir... on a vraiment beaucoup d'activités sur les couloirs, les ailiers qui collent la ligne, ça donne quand même des possibilités intéressantes. Et j'adore vraiment ce style de jeu avec Monsieur Larchtindel. Qui a justement Monsieur Thuram, allez. Le centre qui est repoussé. Thuram, il va encore l'opportunité de la mettre dans l'axe. On va ressortir sur Janschke, qui joue extrêmement haut d'ailleurs. Je trouve assez surprenant de le voir aussi haut, Janschke. Attention, Michael Lang, pas se faire avoir. Les dribbles, Michael Lang qui intercepte bien, mais on n'arrive pas à dégager ce ballon. À force de vouloir ressortir trop propre, je me fais presque avoir. Oh là là, il m'a bien eu. Et but de Naples, c'est assez désagréable quand même, c'est gris-gris constamment, je trouve ça pas du tout réaliste quoi, le jeu c'est, limite c'est du FIFA Street à des moments, et alors ça n'enlève à rien hein, le fait qu'il mérite de marquer ce but, mais je trouve ça vraiment désagréable, et puis surtout que tu te lances, t'es mort quoi, à chaque fois, alors je sais pas si c'est le mode compétiteur qui fait ça, c'est un petit peu le seul bémol que je retrouve au gameplay pour le moment, c'est un peu ce côté gris-gris que le jeu a constamment pris l'habitude de faire. Après, ben voilà, c'est pas si mal pour l'équipe, ça va leur demander un peu une réaction maintenant. Ce but qui tombe pas si mal. Et on va voir si on a du caractère, si on est capable de réagir maintenant. Allez, il faut monter le latéral, là j'aimerais bien que mon latéral y monte. Le voici, alors que ça va plutôt sur Monsieur Hoffman, qui est rapide et qui peut faire très mal, on le sait, Hoffman. Bien joué, il garde encore le ballon, elle a la possibilité d'aller en bas. Allez, il faut marquer ça, faut marquer. Et on va mettre la petite Thorimne. Magnifique, très très belle action bien menée de la part de notre équipe. Alors à la base je voulais aller couper sur Thuram hein. Mon but était d'abord d'aller sur Thuram à ce moment-ci. Et finalement la balle elle est très bonne. Elle est très bonne et je crois que c'est Traoré si je dis pas de bêtises qui nous marque ce but. Égalisation dans cette demi-finale. Ça fait plaisir. Il y a la possibilité d'aller sur Monsieur Stindl maintenant, la possibilité, la frappe. Oh là 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 là. Le capitaine que j'étais dans l'idée de vendre, hein, là me répond bien, mais quel but de l'Archtindl. Par contre, il est exceptionnel celui-ci. Oh là 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 là. Et Meret, il reste impuissant. Impuissant face à cette frappe supersonique. De Monsieur Larchtindel, exceptionnel, le Borussia Mönchengladbach qui prend pour la première fois dans ce match les devants dans cette demi-finale de Coupe d'avant-saison. Et en plus c'est la mi-temps, on retourne la situation très très vite, mais quelle frappe de Larchtindel. Larchtindel encore, va-t-il tirer? Oh là 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 là, l'attaquant, on a l'impression, hein, suite à mes dernières critiques sur lui, qu'il a clairement besoin de prouver sa valeur. Grosse frappe là, si elle passe, c'est la même chose. Et Meret, il aurait été impuissant. Belle possibilité à nouveau pour le Borussia Mönchengladbach. Attention à pas se faire surprendre là. Attention à pas se faire surprendre. La possibilité, la parade derrière, on doit suivre, on ne suit pas. Égalisation napolitaine. Ah là là, on est en train de vivre un match très compliqué. On va faire rentrer Monsieur Doucouré. Ma foi, je suis un peu obligé. Dommage, la claquette de Sommer est magnifique. C'est derrière, c'est défensivement que ça suit pas. Lang et Janschke sont un peu loin. Et c'est Marcus Berg qui marque ce but pour Naples. Et ça fait donc deux partout dans cette demi-finale. Rien n'est joué pour le moment. On est en train de se diriger, je pense, vers une séance de tir au but. Séance de tir au but pour départager nos deux équipes. Vous voyez qu'au niveau de la possession de balle, on a été très très bon. Naples qui a 3 tirs,
trois cadrés. Alors, Larchindel, Thuram, Mbolo, Wolf Bennett, ouais. On va aller comme ceci. Est-ce que... Non, c'est ce que je voulais voir. Il n'y a pas le bug, comme il y avait sur FIFA 20, où c'était le gardien, la défense, etc. Donc là, c'est vraiment les meilleurs tireurs de penalty qui s'élancent. Il est magnifique, le but de Berg. 1 à 0 pour Naples. Allez, on va tirer. Larchindel s'est arrêté par Meret. Bel arrêt. Politano. Politano s'est arrêté par monsieur Yann Sommer. Allez, la possibilité pour nous de revenir avec Marcus Thuram. Et à nouveau Meret. Ok, le gardien pour le moment il est en pleine forme. Et c'est bien pris à contre-pied, on est mené de deux buts. On n'a pas le droit de se louper avec Brel Mbolo là. Et c'est à côté. Oh là là. Séance de tir au but catastrophique, dit Lorenzo qui ne doit pas marquer. Ça passe au-dessus. On est en sursis, mais là, on doit pas se louper. Allez, Hans Wolf, on va la mettre ici. Ça passe. L'espoir pour le Borussia. Allez, Sommer. Stop la moins. Cette balle de Diogo Demme, le capitaine du soir. Ça passe. Naples se qualifie pour la finale. Malheureusement, on a vraiment raté notre séance de tir au but. Bon, on peut dire que le gardien est chaud. Hein. Et il me sort quand même deux. Après, bah, je tire à côté avec Brel Mbolo. Ah dommage, il était pas si loin que ça, hein, Yann Sommer, il était pas si loin de la sortir, mais c'est une élimination en demi-finale de ce trophée, de ce tournoi de préparation. Écoutez, on va en retirer du positif, on aura pu essayer l'effectif, on aura pu se faire des idées, j'ai trouvé très bon Larchindel, malgré son penalty manqué, on aurait peut-être mérité sur l'ensemble du match de se qualifier, mais bon, il y a eu également un match nul dans l'autre match, et je sais pas final, du coup qui a été en finale, mais bon, la finale ce sera Tottenham contre Naples, donc une très très belle finale, voilà pour ce qui est de ce trophée malheureusement, on va d'abord se concentrer sur le mercato, je veux pas vous faire une vidéo trop longue, je vous promets pas forcément un autre match, mais vraiment le mercato là, c'est là-dessus qu'on va bosser, j'ai toujours pas les rapports, donc ça ne sert à rien qu'on discute, on a pris un petit peu de dotation de compétition, vous voyez, on a pris 3,7 millions, donc c'est pas rien, c'est quand même quelque chose, on a 30 millions de budget désormais, je vais avancer jusqu'à ce que j'ai tous les rapports de nos joueurs, et je vous retrouve un peu plus tard pour le mercato. Ok les gars, plusieurs choses sur le mercato, on a déjà eu quelques rapports, ça c'est un point très important, on a aussi eu des offres de transfert, donc on va directement aller dans accueil, transfert, pour voir un tout petit peu. Les offres qu'on a eues, donc du coup j'ai eu des offres pour Larchindel. En plus d'un club de Bundesliga, donc on a bien dit Larchindel, du coup je vais vous écouter, on va pas vendre, on va refuser, je vais le retirer de la liste des transferts, on va le garder. Je pense que voilà, pour une saison il sera important. On a monsieur Matthias Ginter, offre de 36 millions de Manchester United. J'en ai trop besoin, je vais pas me séparer de Matthias Ginter, surtout qu'il forme ma défense avec Elvedi et Benzebaini, donc clairement on va refuser, ça c'était vraiment pour les propositions de transfert, j'ai eu aussi Oscar Wendt, on m'a proposé le transfert Oscar Wendt, j'ai refusé également, je veux pas trop vendre par peur de manquer clairement d'éléments dans l'équipe, je veux vraiment avoir un bel effectif avec des possibilités. On a eu déjà énormément de rapports qui sont arrivés, la première chose que j'ai envie de compléter, c'est le poste de milieu droite qui pour moi doit vraiment être renouvelé, soit on garde Herman, soit on va chercher un autre joueur. Alors milieu droite, on avait Ismail Assar, j'ai dit que j'allais pas le prendre, on a Melando, on a Marco Richter, on a deux joueurs intéressants, dont un qui peut jouer aussi milieu offensif, donc ça c'est pas à négliger. Là on est sur une valeur de 9 à 13 millions, c'est pas rien, Melando on est quand même dans les 25-30, donc c'est complètement mort. Clairement, qu'on se le dise, c'est pas possible pour nous de mettre autant d'argent. Bon, Richter, ça me ferait kiffer, on va pas se le cacher. Richter, ça me ferait vraiment plaisir d'aller le chercher, mais c'est pas que la seule priorité. Il y a aussi, bien sûr, la priorité en défense centrale. Et monsieur Van Drongelen, qui a 21 ans et qui clairement pourrait être une belle alternative à ma défense, je suis assez pour. Si je regarde un tout petit peu, on avait encore le petit Piper qui est là. Qui est aussi très intéressant. De toute façon, on a besoin de renouveler notre défense. Hein, parce que Janschke, pour moi, c'est pas une valeur sûre défensivement. Donc j'ai besoin de deux défenseurs centraux. Sidi B, à droite, on a Liner. Je vois pas forcément l'intérêt. Là, dans l'immédiat, je vais plutôt me concentrer peut-être sur aller chercher mes défenseurs centraux. Combien c'est le petit papou
La petite 6C là, le petit 6 c'est quand même une belle valeur aussi. On va rester alors sur l'idée de prendre Monsieur Van Drongelen, j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est Seb Momodo qui me l'a proposé. Donc grosse dédicace à toi Seb. On va se positionner sur Monsieur Van Drongelen, un joueur de Bundesliga 2 qui joue à Hambourg, un transfert qui est complètement réaliste. Hein. Alors bien sûr, on va pas le signer si il n'accepte pas le poste de rotation. Je vais lui faire une proposition à 4 millions pour le club de Hambourg. Il demande Bennett. C'est hors de question. C'est hors de question. Moi, je ne veux pas perdre Bennett. Alors, je vais vous faire une nouvelle offre à 4,5 millions. 4,5. Et vous acceptez, ce serait pas mal. C'est accepté. C'est accepté par Hambourg. C'est une très bonne chose. Alors, on a la possibilité de Van Drongelen. On la garde ici. Le petit Piper, ça resterait aussi. Je pense que je prononce faux. Je pense que c'est Piper, je pense plutôt, avec une prononciation allemande, ça doit être Piper de l'Arminia Bielefeld. Il a un peu plus de valeur. On va voir ce qu'on peut faire avec ce garçon. On va voir ce qu'on peut négocier. Je suis assez confiant, mais bon, je me dis que voilà, il faut aussi négocier un peu serré. On va proposer un transfert, bien sûr. Ou est-ce que si je tente un échange avec Jantschke? Pourquoi pas tenter l'échange avec Jantschke? Étant donné que Non, pas Mathias Ginter, on va se calmer. Jantschke, voilà, Jantschke, c'est un petit peu moins cher, c'est 30 ans. On va essayer d'échanger, ça serait intéressant. Il demanderait un peu plus d'argent. Ouais. Il demanderait même beaucoup plus d'argent. Il demanderait Michael Lang. Michael Lang, je préférerais garder Michael Lang que Monsieur Jantschke, je vais pas vous le cacher. Alors, on va faire une nouvelle proposition de transfert. On va faire une première proposition de transfert, pardon. On va leur mettre 5 millions pour leur garçon. Qui sont clairement là des joueurs à rotation. Hein. Je cherche que ça. On va faire une contre-proposition. Regardez si on peut pas l'avoir un tout petit peu moins cher. Alors 5,5 millions pour ce jeune garçon de 22 ans. Ils sont fixés à 6,2. Je vais accepter 6,2. Ça veut dire qu'on a deux défenseurs centraux pour des montants qui sont extrêmement corrects. Donc je suis très content. Voilà, donc on a les deux défenseurs centraux là. On aurait renforcé la défense. Après, au niveau des latéraux, on a assez de monde. Donc, je me fais pas trop de soucis. C'est vraiment la défense centrale qui était un petit peu à revoir. Pas avec Elvedi et Ginter, mais c'est clairement les doublures, les rotations que j'avais besoin. Et je pense qu'on est sur quelque chose d'intéressant. Ok, les gars, magnifique. On recrute donc le petit Piper. Du côté du Borussia Mönchengladbach, il a accepté le rôle de rotation, ce qui était vraiment un critère très important pour moi, parce que je ne veux pas promettre des postes que je ne peux pas tenir. Ensuite, on enchaîne avec Monsieur Van Drongelen. Van Drongelen, c'est surprenant, parce que c'est vraiment un joueur qui a une bonne progression, qui est très intéressant, et il coûte moins cher. Il coûte moins cher, alors ok, il joue aussi en Bundesliga 2, il y a peut-être ce côté réputation, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant, il a vraiment un petit salaire comparé à nos joueurs. Lui aussi, on lui propose un poste de rotation, ce qui semble être parfait pour le club. Une durée de contrat de 4 ans. On veut pas de clause hein, libératoire. Ça, c'est quelque chose que j'évite un maximum. Et puis, au niveau du salaire, je vais lui proposer 10 000 par semaine. Ce qui me semble assez raisonnable et réaliste qu'il passe dans un club avec plus de moyens. Il accepte cette proposition. Les deux premiers transferts. Monsieur Piper et Monsieur Van Drongelen. Magnifique. C'est très bien. Maintenant, on enchaîne avec le poste de milieu droite. On est toujours dans cette grande interrogation. La grande interrogation du milieu droite. Hein. On n'a toujours pas trouvé notre bonheur. Alors, je me dis que Monsieur Richter, ça resterait très réaliste. Ça resterait très réaliste. Kina, il n'aurait pas la possibilité. Non, il n'a pas la possibilité de jouer à droite. Toi, tu as la possibilité de jouer à gauche. Et tu as une valeur qui est quand même extrêmement élevée parce que c'est un joueur qui a une bonne réputation. Et puis après, on parle de buteur. Ouais, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Ismail Assar est là, mais ça va pas le faire. Hein. C'est trop cher en plus. Et si tout à coup, on partirait sur un prêt. Et tout à coup, on délègue pour... on approche le club pour un prêt. Ils ne veulent pas. Et puis le petit Melando qui joue quand même en deuxième division espagnole désormais, puisque le club est descendu, hein, l'Espagnol Barcelone, ne veut pas non plus. Donc on n'a pas fait d'avance avec ces deux éléments. Bon, écoutez, je vais avancer un petit peu, je vais voir ce qui va se passer. Je vais aussi tenter de recruter un attaquant. En fait, je peux recruter maintenant l'attaquant. Mais alors, maintenant, du côté de l'attaquant, on a Monsieur Larchtindel en doublure de Monsieur Pléa. Et au niveau des statistiques, un tout petit peu, niveau vitesse, Nicolas Gonzalez, ça reste assez intéressant.
Ça reste assez intéressant. Et puis niveau vitesse du côté de Monsieur Cabral, il fait quand même pas trop mauvais non plus. Je vais tenter. Je suis assez intéressé par Monsieur Cabral. Je vais pas vous le cacher. Je sais pas qui c'est qui me l'a proposé, mais malheureusement le joueur il vient d'arriver. Est-ce qu'on pourrait l'approcher éventuellement pour un prêt? C'est pas envisageable pour eux. Alors il nous reste Monsieur Gonçalves, qui a quand même une grosse valeur. Et ça c'est quelque chose qui me freine un peu, c'est cette valeur de 11 millions. Essayons de négocier avec Stuttgart. J'ai l'impression que c'est un club allemand aussi. Il y a peut-être un peu ce côté rivalité qui ne veulent pas le vendre à un autre club. Hein. On sait comment ça se passe. On va voir. On va voir comment ça va se passer. On va proposer d'abord un transfert. Enfin, j'ai pas forcément d'échange à faire. Un transfert d'une valeur de 11 millions. On va mettre 11 millions. Il nous resterait un petit quelque chose après. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Herman, c'est une valeur de 14 millions, les gars, c'est quand même énorme. Je vais faire une contre-proposition, retirer Herman et proposer un peu plus. Allez, je vais monter à 12 millions, mais je vais pas aller plus haut. Hein. Faut vraiment. En plus, c'est surtout un joueur que j'ai envie de faire jouer en rotation. Ils veulent 16 millions, c'est extrêmement cher. Hein. On va proposer un nouveau montant. Dernière offre, hein. Ultime et dernière offre. Je ne vais pas au-delà. Je ne vais pas au-delà de ça. Non, c'est refusé. On refuse. Ça ne se fera pas pour Monsieur Gonçalves. Ok les gars, on a une offre de transfert pour Monsieur Patrick Herman à 14 millions. Au vu de son âge, je vois quand même qu'on peut en retirer tout à coup 18 millions. Patrick Herman, j'ai toujours dit que voilà, je respecte beaucoup le joueur, mais je vais tenter de négocier à 18 millions. Parce que si je me fais 18 millions sur Patrick Herman un jour de 29 ans et que je peux les réinvestir soit sur un Richter, soit sur un Melando, ça m'intéresse pas mal. On va pas se le cacher. Bon, Patrick Herman, c'est quand même un joueur historique hein, de Gladbach. C'est vrai que ça ferait un petit peu mal de vendre ce garçon. Mais pour le bien de l'équipe, je me dis, tout à coup, pourquoi pas? Pourquoi pas 14 millions, c'est beaucoup trop faible. Hein, je veux vraiment me faire... je veux pas vendre pour vendre. Je veux vraiment que tu acceptes au moins une belle somme. Allez, fais un peu d'effort. Ils acceptent 17,5 millions, les gars. Ok. Naples accepte à 17,5 millions. Ok, ok. Si on vend Herman, on est très très bien. Si on vend Herman, on est extrêmement bien. Je me suis amusé aussi à aller regarder un petit peu encore les commentaires. Tout à coup, je n'avais pas oublié quelqu'un qui avait mis un joueur intéressant. Et il y en a bel et bien un qui m'a retenu toute mon attention. Puisque je vais tenter. Je dis pas que je vais y arriver, hein, mais on va tenter. Monsieur Arne Meyer, le milieu de terrain du Hertha Berlin, qui, sauf erreur, genre son rapport maintenant. Alors, Embo, le changement de poste, c'est bon. Et Arne Meyer, voilà, j'ai son rapport. C'est parfait. Alors, Arne Meyer, qui a 21 ans, qui est un joueur à fort potentiel, qui, dans un poste de rotation m'intéresserait pas mal puisque il aurait cette capacité de faire la doublette avec Kramer. T'as du Kramer Meyer au milieu de terrain, c'est très solide. Il peut aussi jouer milieu défensif, vous le voyez. Il a 21 ans, 74 de général. Il est estimé à maximum 14 millions, ce qui reste extrêmement abordable pour l'enveloppe transfert qui me reste. On va donc tenter le coup Arne Meyer. C'est un joueur que je connais assez bien parce que j'ai assez souvent utilisé dans FIFA 19, surtout 20. J'ai pas trop testé. Je sais que c'est un joueur qui avait un énorme potentiel. Je crois qu'il se blesse un peu beaucoup par contre. C'est ça un petit peu le point négatif. Je vais faire une offre à 10 millions pour commencer. Et c'est accepté à 10 millions. Oh là là, ok. On a presque l'impression qu'ils avaient envie de s'en débarrasser. Ben, c'est facile, cette négociation se passe plutôt bien. Maintenant, il faut se mettre d'accord sur le salaire. Bon, là, il veut une sport addict comme rôle. Franchement, ça me va très très bien. C'est-à-dire que j'aurais même pas vraiment l'obligation de le faire jouer. C'est excellent. C'est vraiment super. On va essayer de le faire signer 5 ans, c'est fait. Après, je vais pas vous le cacher, je vais vraiment l'utiliser comme rotation. Donc, il aura beaucoup plus de temps de jeu que ce qu'il demande. Je trouve ça super. Et il veut baisser son salaire. Il baisse son salaire. Il était vraiment prêt à venir chez nous. Je pense qu'il a une situation un peu compliquée du côté du Hertha. C'est fait. Troisième transfert de cette vidéo. Hein. Pour le moment, on reste vraiment sur notre ligne directive. C'est pas de gros joueurs. Peut-être que vous attendez un mercato XXL. C'est pas ça du tout. Par contre, on recrute vraiment des éléments intéressants qui peuvent aller dans notre équipe et c'est ce que je cherche vraiment. Je vais avancer un petit peu, je vais voir s'il y a la vente de Herman et si Herman est vendu, on pourra se positionner sur un des deux ailiers que sont Richter et Melando. A tout de suite. Ok les gars, c'est officiel, la vente de Patrick Herman pour 13,5 millions. Notre ailier qui s'en va du côté de Naples, voilà, c'est officiel. Donc on a 23 millions, pour se faire kiffer, pour se faire plaisir et pour aller acheter notre milieu
Droite. Bon. 23 millions. Oh là là, on ne pourrait même pas se positionner sur Monsieur Belando. Et Richter, on les aurait et on aurait encore un petit peu d'argent pour éventuellement encore transférer. Je crois qu'on va plutôt partir sur l'option Marco Richter. Melando, ça aurait été très bien, mais il est trop cher. Malheureusement, il est trop cher. J'ai pas testé le cas Ismail Assar. Mais oh, mais Ismail Assar, laisse tomber. Laisse tomber Ismail Assar. Moi, je veux vraiment en plus acheter, donc ça m'apporte rien du tout. Le prêt, c'est toujours pas possible. Allez, on se positionne sur Monsieur Marco Richter pour un poste. Bah, presse de titulaire, sur le côté. Un joueur d'avenir, jeune, qui a un beau potentiel. Je vais faire une première offre à 11 millions. On va essayer encore de gratter, hein, toujours dans l'histoire de gratter, parce qu'on en aura peut-être besoin. Il veut le Kramer dans l'échange. Non, mais vous êtes complètement à la masse, les gars. C'est hors de question. Retirer joueur, proposer un autre montant. Non, mais Kramer, imaginez, Kramer, même s'il est de rotation, j'aurais extrêmement besoin. 13 millions, c'est accepté par Augsbourg. Ok, clairement, les négociations, ça rigole plus du tout. Hein. Franchement, les négociations, le jeu, il est chaud. Il a clairement... Il fait pas de cadeau. Le jeu, il fait pas de cadeau. Alors, Marco Richter. Joueur qui est modélisé. Sporadique aussi, qui a même pas l'ambition de s'imposer réellement dans notre équipe. Ça fait plaisir, ça. On va lui mettre un contrat de 5 ans. C'est accepté. Je veux pas de clause libératoire, c'est très bien, il ne le veut pas non plus. Et on va donc s'approcher, il veut le même salaire qu'il avait à Augsbourg, donc c'est complètement cohérent. Et c'est fait pour monsieur Richter. Voilà, je crois que là, franchement, il nous reste 10 millions. Alors, si on réactifie un peu, parce qu'on n'a pas des, on va pas acheter des top classes mondiales au niveau du budget, on n'a pas besoin d'autant de budget salaire. On a encore 17 millions, hein. C'est pas rien les gars, c'est pas rien du tout, on a encore de quoi se faire plaisir. Donc si on regarde un tout petit peu, c'est très très intéressant parce que si je me penche un peu sur le 4-3-3, on a la doublure avec Bayer, on a du Ginter et Elvedi qui sont doublés maintenant par Pepper et puis par Peter, pardon, et par Van Drongelen, donc c'est super. Benzebaini est doublé par Monsieur Mikkel, Lang, Neuhaus à Arne Meyer. On a du Monsieur Kramer pour Zakaria, Mbolo, il a du Hoffman, il a vraiment, on a encore du petit Wolf, on a vraiment des éléments pour prendre sa place. D'ailleurs, Mbolo, il faut qu'il Mbolo, il n'avait pas appris le poste, et je l'ai fait apprendre le poste d'attaquant. C'est juste, je vais aussi lui faire apprendre le poste de milieu offensif désormais. Alassane Plea, qui est dédoublé par, pour le moment, l'Archtindel, même si c'est un petit peu compliqué, il faudrait songer à acheter un attaquant. Thuram, lui, il a, de toute façon, Thuram, il a... On a plusieurs éléments pour Thuram. On a Traoré qui pourrait jouer à sa place. Nous avons encore Lazaro qui peut passer d'un côté. Plea, c'est le poste, en fait. Il faudrait vraiment qu'on aille chercher un attaquant. Et puis Richter, de toute façon, Marco Richter qui est là, qui peut jouer attaquant droite, donc qui peut doubler Lazaro. Franchement, c'est très bien. C'est très, très bien. Je suis très content de ce mercato. Je vais peut-être encore prendre le petit Richter là qui est avec moi. Voilà. Un meilleur, je vais le mettre. Vous voyez que je vais tâcher de vendre ou de prêter tous ces jeunes-là. J'ai pas envie de les garder dans l'effectif. Puisque voilà, à part baisser le moral de l'équipe, ça va servir à rien. Donc le but, c'est vraiment de vendre, c'est vraiment de ou alors de prêter. Voilà, idéalement, il faudrait prêter. Vous voyez qu'on a encore Denis Zakaria qui doit apprendre le poste et Brel Mbolo. Donc on va pas trop perdre de temps. On va aller leur faire apprendre ces postes-là. Ça, je ferai en off. Pour ce qui est du 3-4-3, Sommer restera son titulaire. On a clairement des doublures, hein, parce qu'on a du Janschke, on a du Lang, on a du Van Drongelen et on a du Piper en défense. Donc voilà, nos trois défenseurs centraux sont doublés de toute façon. Au milieu de terrain également, sur les côtés, on a du Richter, on a également du Traoré. Et après, devant, clairement, on a du Larchtindel. Il nous faut des éléments offensifs, hein. Très clairement, les 17 millions vont partir pour un attaquant, clairement. Alors, attaquant, ça sera difficile, hein, parce que 17 millions, vous ne pouvez pas non plus vous en acheter deux. De très très gros, il va falloir trouver les bons éléments, peut-être prêter. Alors, c'est tout à fait possible de se faire prêter des joueurs. Donc, je compte vraiment sur vous dans les commentaires pour me mettre des éléments offensifs, vraiment qu'on puisse avoir du Larchtindel, mais aussi de bons joueurs. Peut-être qu'on peut essayer avec le petit Marcus Wolf aussi. Il y a vraiment, voilà, il faudra qu'on essaie deux trois choses. Si on se planche un petit peu au niveau du calendrier la semaine prochaine, hein, ce sera donc la Bundesliga. Vous l'avez compris, au niveau du calendrier, vous voyez qu'on se retrouve dans la fin du mois de juillet. Le premier match pour nous sera mi-août avec ce déplacement
à Schalke. Et puis après, ça va très vite s'accélérer. Hein. Vous voyez, hein, ça va aller très très vite. Et la Ligue des Champions qui sera le mois d'après. Pour le moment, on a vraiment un format de vidéo qui tourne à 1-2 matchs maximum. C'est tout à fait normal. À partir de la fin du mercato, on tournera à 3-4 matchs par vidéo. Ce sera beaucoup plus ludique pour vous. Ça va s'enchaîner. Voilà. De toute façon, si on veut vraiment faire une belle carrière et une belle série, vraiment qu'on s'immerse un maximum dans le projet, il faut vraiment aller tranquille, faire le bien le mercato. Et puis après, on enchaînera sur des éléments et des matchs un peu plus intéressants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Le mercato vous a plu. Pour faire un bref résumé de ce mercato, il a été assez encore tranquille, hein, on va pas se cacher, hein, 4 achats de notre côté, donc Piper, Van Drongelen, Meyer, Herman qui est parti et Richter qui arrive. Donc voilà, hein, on a fait un joli mercato. On a fait un mercato XXL. Je vais pas vous mettre un mercato XXL dans le titre, ce serait un titre très clairement putaclic, mais clairement on a fait un mercato pour nous permettre d'améliorer cette équipe et d'avoir plus de profondeur devant. Parce que le 11 de base, si on le regarde clairement, il est déjà super intéressant. Et je suis très content déjà de ce 11 de base. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les gars. Je vous invite à liker, commenter, partager. Je vous remercie pour les 1700 abonnés. Et moi je vous dis à très vite pour la suite de cette carrière manager avec le Borussia Mönchengladbach. Ciao les gars!